Salut tout le monde, j'ai reçu plein de retours hyper positifs sur mon programme Détox au sucre. Du coup, je vous propose dans cette vidéo de lire certains témoignages pour vous motiver, vous aussi, à sauter le pas. C'est parti! Alors, j'ai effectivement banni tous les sucres raffinés. Waouh! Incroyable! 30 kilos en 6 mois, c'est juste exceptionnel. Bon, j'avoue, c'est presque un petit peu trop rapide. Après, peut-être que vraiment, c'était exactement là où il fallait appuyer pour que enfin tu décolles. Alors après, comme cette personne précise bien, on parle dans ma détox au sucre d'éliminer les sucres rajoutés, les sucres raffinés et non pas tous les glucides. C'est pas du tout du low carb. On est vraiment là pour éliminer les sucres et surtout les sucres cachés. Comme quoi, il n'y a pas de miracle avec la bonne alimentation et le sport, et ça fait vraiment plaisir de voir que mon programme détox au sucre fonctionne. Bravo à toi. Un autre témoignage, donc cette personne a diminué, carrément arrêté le sucre pendant plusieurs mois et elle est passée d'un poids de forme de 58-59 kg à un poids de forme de 55 kg et elle a beaucoup moins faim toute la journée. Et ça montre bien finalement que en mangeant mieux et surtout en se détoxifiant du sucre avec ce programme, vous n'avez pas besoin de vous épuiser avec des milliards d'heures de sport par mois. En fait, il suffit juste de s'écouter, de retrouver ses sensations de faim et on a des super résultats. Allez, un autre super message. Attention, une personne qui a encore perdu 38 kilos en 18 mois. 38 kilos, ça sauve une vie. C'est-à-dire que cette personne est certainement passée d'un très fort surpoids, sûrement d'une obésité, à un poids qui lui donne une bonne santé et une meilleure longévité sur le très long terme. Donc, ça n'a pas de prix en fait. Moi, ça m'émeut de lire ce genre de message. Je vous remercie trop. Et en fait, ça montre aussi que mes programmes sont adaptés à toutes les personnes pour toutes les morphologies. Mais on peut commencer aussi par une meilleure alimentation, par éliminer le sucre de son alimentation et on y arrive. Et ce que j'aime bien aussi finalement dans son message, c'est qu'elle précise 18 mois. Mais 18 mois, un an et demi, vous vous rendez compte comment c'est long? Donc si vous vous engagez dans une méthode impossible à tenir sur le long terme avec des poudres, avec des restrictions, des frustrations alimentaires, et vous tenez pas. Merci pour ce message, c'est émouvant. Un autre message d'une personne qui mangeait des spécial cas tous les petits déjeuners en pensant que c'était super bien pour son fitness. Forcément, elle est passée au bol de flocons d'avoine sans sucre avec des fruits frais et des amandes. Elle n'a plus faim toute la journée et elle tient jusqu'à l'heure du déjeuner. Contrairement à ce que les industriels voudraient vous faire croire, les céréales comme ça de petit déjeuner qui se réclament d'être fitness ou super bien pour la minceur ne sont pas du tout adaptées. Ce sont des céréales en fait souvent où il y a plein de sucre dans la recette. Alors souvent, il n'y a pas écrit sucre, il y a écrit sirop de glucose fructose, donc on a l'impression que c'est healthy. Et en fait, pas du tout. D'ailleurs, dans mon programme, je vous apprends dans un dictionnaire à identifier les sucres et à savoir lire les étiquettes. Voilà, et en fait, des exemples comme celui-là, en fait, j'en ai des centaines. L'élimination des céréales industrielles au petit déjeuner, c'est juste incroyable. Si vous n'êtes pas très céréales, dans mon programme détox au sucre, il y a plein d'autres petits déjeuners plutôt salés, ou sans sucre, qui vous permettent de passer des matinées bien plus agréables. Alors un autre message, j'ai fait le programme avec mon homme qui a tenu 3 semaines quand même. Voilà, donc elle a retrouvé le goût des vraies choses et elle se rend compte de la tonne de sucre qu'elle mangeait. Mais voilà, surtout elle a beaucoup moins de coups de barre l'après-midi. Contrairement aux idées reçues, on vous dit du sucre pour l'énergie. Et en fait non, éliminer le sucre raffiné de son alimentation justement permet de retrouver de la vraie énergie qui va être stable sur toute la journée. Et puis c'est cool aussi que ton homme ait suivi le programme. D'ailleurs, très souvent, les hommes ont des résultats, mais alors superbes et rapides. S'il a tenu 3 semaines, c'est déjà bien. Et t'inquiète pas, ça reste dans sa tête. Et dès qu'il aura besoin ou envie, il reviendra. Un autre message super sympa. Alors, je me suis complètement sevrée du sucre et c'est la seule solution pour ne plus y penser. Et oui, c'est ça en fait. En supprimant le sucre raffiné, on est plus dynamique, plus en forme et surtout, on est libre. Et quand on se détoxe au sucre, on se libère une grande partie du cerveau et ça fait vraiment du bien. Voilà, un autre message d'une personne qui s'appelle Alice. Les recettes sont vraiment bonnes et simples à faire. Moi aussi, je suis maman pressée, j'ai 2 enfants et un mari qui a toujours faim. Et donc, c'est vraiment très important pour moi de vous partager des recettes qui se font facilement, rapidement, avec des ingrédients qu'on trouve partout et surtout qui se partagent en famille. Allez, un dernier message d'une personne qui habite à Mayotte. Mais c'est tellement génial, c'est-à-dire que quand j'apprends que mes messages s'exportent un peu partout dans le monde, c'est top. Et d'ailleurs que même dans l'hémisphère sud, sous les tropiques, on puisse suivre mon programme détox au sucre et en recevoir des bénéfices. Ça vous montre finalement aussi
qu'on peut toujours adapter avec les fruits et légumes locaux. C'est-à-dire que ma méthode, c'est une base en fait, sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer. Et ensuite, eh ben, au fur et à mesure de votre compréhension et de votre intégration de la base, vous pouvez, en fonction de vos goûts, de vos préférences, des saisons, changer les recettes à votre guise. Fuyez toutes les méthodes avec des restrictions, des dogmes, des comptages hyper précis, finalement, qui vous enferment dans un système en fait alimentaire. C'est ce que j'aime le plus, finalement, dans ma méthode et dans notamment ce programme Détox au sucre, c'est qu'il vous responsabilise, il vous apprend à bien connaître finalement les sucres et qui vous donne confiance en vous pour justement adapter en fonction de vos envies une bonne alimentation sur le très long terme. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Elle était importante pour moi. Ça vous donne un peu un petit aperçu de mon quotidien où je reçois vos super messages et vos commentaires. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce, écrivez des commentaires et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube pour vous tenir au courant des nouvelles vidéos sport ou alimentation. Allez, salut !